الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المعلق على شارح العقيدة الطحاوية الشيخ عبد الله رحمات الله عليه، وقال الحافظ ابن حجر أيضا ما نصه: عداس مولى شيبة ابن ربيعة كان نصرانيا من أهل نينوى، قرية من قرى الموصل، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف في قصة ذكرها ابن إسحاق في السيرة. سنذكر هذه القصة لأن عم نتكلم عن دلائل النبوة. On est en train de parler des preuves et des signes de la prophétie de سيدنا محمد. Certaines choses qui ont eu lieu, des miracles et des choses, des événements qui ont eu lieu à sa naissance, pendant la grossesse de sa mère, après. Et maintenant, il va aborder l'histoire de Addas, qui était un esclave de Shayba, fils de Rabia, qui était chrétien, et qu'il était dans Ninawa, une ville parmi les villes de Mosul en Irak. Et il a rencontré le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'il a été vers la ville de Taif. وفيها أن شيبة وعتبة كانا بالطائف فشاهدا ما رد أهل الطائف على النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام، أساءوا له وأغلظوا حتى رموه بالحجارة. alors شيبة et عتبة étaient dans la ville de Taif. سيدنا محمد، comme les gens à la Mecque n'ont pas accepté la majorité l'appel à l'islam, il a été vers la ville de Taif. la Taif c'est pas loin de la Mecque, c'est une centaine de kilomètres. Et les gens là-bas, ils ont répondu méchamment contre Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Même ils ont envoyé des enfants pour jeter des pierres sur lui alayhi salatu wassalam. فقالا لعداس خذ هذا القطف العنب فضعه بين يدي هذا الرجل. Comme ils étaient de Quraysh et Muhammad alayhi salatu wassalam était de Quraysh, malgré qu'eux ils étaient contre lui, mais là Quraysh et ces gens-là de Taif, ils étaient agressifs avec lui de cette manière. Ils ont pris un grappe de raisin, ils ont dit à Addas, mais ce raisin devant cet homme. Fa'ala ma wada'a yadahu fi qala bismillah. Sayyidina Muhammad a mis la main sur le raisin et il a dit bismillah. Fata'ajjaba Addas wa qala lahu hadha al-kalam ma yaqulu ahad min ahli hadhihi al-bilad. Addas était étonné, il a dit mais ces gens-là, ils ne disent pas cette parole, ils ne disent pas bismillah lorsqu'ils mangent. فذكر له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد lui a dit: je suis un messager, أنا رسول الله. فعرف صفته. alors عداس a su que c'est vrai, il connaît certains attributs de ce dernier prophète. فانكب عليه يقبله. alors عداس il s'est baissé puis il s'est approché de lui, il l'a embrassé. فلما رجع عداس قال له: ويحك يا عداس لا يصرفك عن دينك. Comme lui, ils l'ont vu, qu'il a embrassé, tout ça, les Shayba et Utba, ils ont dit: oh Addas, il ne faut pas que tu laisses cet homme t'influencer pour quitter ta religion. وذكر سليمان التيمي في السيرة أن له أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أنك عبد الله ورسوله. On rapporte que Addas, comme il a dit سليمان التيمي, que Addas a dit à سيدنا محمد: أشهد أنك لرسول الله. Je témoigne que tu es le messager de Dieu. وأشار ابن مندى إلى قصة أخرى. هل هيدي القصة أنه عداس شهد له بالرسالة؟ إلى تيمونيه كليت أم مساجي أم بروفيت مساجي. وذاك أشار ابن مندى إلى قصة أخرى. ابن مندى إلى سيتي نوتر إستوار. فقال ذكر أو لا فقال له ذكر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. وقد ذكرها سليمان التيمي أيضا قال: بلغنا أن أول شيء اختص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا في حراء كان يخرج إليه فرارا مما يفعل بآلهتهم يعني أصنامهم، فنزل عليه جبريل فدنا منه فخافه فذكر الحديث، فقالت له خديجة: أبشر فإنك نبي هذه الأمة، قد أخبرني به قبل أن أتزوج ناصح غلامي وبحيرة الراهب. alors on parle maintenant une autre histoire, qu'on parle de lui comme messager avant qu'il était prophète, avant qu'il soit envoyé, même avant de se marier. Et il a cité Sulayman al-Taymi que parmi les choses qui ont été spécifiées pour Sayyidina Muhammad, qu'il voyait des rêves, même Bahira. Bahira lui dit: tu vois des rêves? Lui dit: est-ce que ça réalise? Il lui dit que oui.
Alors, tu vois, ce que tu vois dans le rêve se réalise après dans la réalité. Et il a vu le sceau de la prophétie, il a vu les veines rouges dans ses yeux. Ah, voilà, il a embrassé entre ses épaules et puis il a dit, il va avoir un événement. Ce garçon, il va avoir quelque chose de très important par la suite. Et que Sayyidina Muhammad, il sortait, il fuit de leur idole, parce que les gens de Quraysh glorifiaient des idoles, tout ça, il fuit de ça et il va vers Hira. Et là-bas encore, il a vu Jibril alayhi salam. Et comme quelqu'un, lorsque quelqu'un d'étrange, Jibril, peut-être il est venu vers un aspect, et ça peut arriver, une certaine crainte normale. Puis il a dit, Khadija, elle lui a dit, parce que lui, il a rapporté, Khadija, qu'il a vu ça, elle lui a dit, non, bonne nouvelle à toi, tu sois le prophète de cette communauté. Il me l'a dit, cette chose-là, que tu vas être un prophète. Il me l'a dit, mon esclave qui s'appelle Nasih et le moine Bahira. Ils m'ont parlé de toi, que tu vas être un prophète. ثم خرجت من خرجت من عنده إلى الراهب فقال لها إن جبرائيل رسول الله وأمينه إلى الرسل. Après, le moine, il lui a dit, Jibril, c'est l'ange que Allah envoie pour les messagers. L'ange que Allah envoie pour les messagers. ثم أقبلت من عندي حتى تأتي عبدا لعتبة ابن ربيعة نصرانية من أهل نينوى ويقال له عداس فقالت له فقال لها مثل ذلك. Tu vois, la même personne qui s'appelle Addas, que Khadija, après, elle a été vers l'esclave de Utba, comme il est chrétien. Elle lui a parlé, qu'est-ce qu'il a dit le moine et qu'est-ce que on parlait de Muhammad. Alors il a dit, oui, ça, il a dit, celui-là, c'est un prophète. Waraqa, c'est un cousin à Khadija. Khadija, laha, ibn Am Waraqa, ibn Nawfal, wahada. أيضا كان درس الكتب المنزلة إلى أمبراسي لو كريستيانيسم توسا أيضا ورق بن نوفل قال هذا نبي وذكر هذه القصة أيضا موسى بن عقبة وقال فيه فقال عداس هو أمين الله بينه وبين النبيين وصاحب موسى وعيسى يعني عداس a parlé de Jibril et il a dit c'est l'ange Gabriel. C'est celui que Allah l'envoie pour les messagers, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les prophètes. Et il a dit, et c'est lui qui est descendu à Moussa et Isa. وذكر ابن عائذ في المغازي من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس نحوه بطوله. Encore, ابن عائذ a parlé proche de ce qu'on vient de dire de Addas et qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. وذكر الواقدي في المغازي في قصة بدر من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثم عن حكيم بن حزام قال فإذا عداس جالس على الثنية البيضاء والناس يمرون عليها فوثب لما رأى شيبة وعتبة وأخذ بأرجلهما يقول بأبي وأمي أنتما والله إنه لرسول الله وما تساقان إلا إلى مصارعكما. Encore dans la bataille de Badr, on rapporte que Addas était sur un chemin, on dit il est un peu de terre blanche, et il a vu Shayba Utba, il partait. Addas, comme ils étaient ses maîtres, il a été vers eux, il a dit il ne faut pas y aller, c'est le messager de Dieu, si vous partez vous allez mourir. Et c'est-à-dire Addas, il a dit c'est un homme véridique, c'est un prophète, il ne faut pas que vous allez faire la guerre contre lui, vous allez mourir. قال ومر به العاص بن شيبة فوجده يبكي فقال ما لك فقال ما يبكيني سيداي وسيداي هذا الوادي يخرجان ويقاتلان لرسول الله يقاتلان رسوله رسول الله فقال له العاص إنه لرسول الله فانتفض عداس انتفاضة شديدة وقشعر جلده وبكى وقال أي والله إنه لرسول الله إلى الناس كافة كم شيبة عتبة ont passé العاص fils de Shayba est venu et il a trouvé Addas en train de pleurer. Pourquoi tu pleures? Il a dit parce que mes maîtres et les maîtres de cette vallée qui est la tribu de Quraysh, ils ont été pour combattre le messager de Dieu. L'As, il a dit, et ça c'est un messager de Dieu. Alors Addas, vraiment, il a fait tout un geste brusque et il a dit, oui, c'est un messager de Dieu et il est le messager pour tous les gens.
وذكر الواقدي من وجه آخر أنه نهاهما عن الخروج وهما بمكة فخالفا. الواقدي إلى ديكو عداس أدي أصن متر عطبة وشيبة دو نو با لي كونفرونتي النبي عليه الصلاة والسلام et ils n'ont pas voulu. Alors ils ont été et ils sont morts à Badr. عطبة et شيبة ils sont morts à Badr. Mais subhanallah, des fois il y a des gens, tu dis, mais ils ont certaines sagesse, ils ont certaines mérites et yani qualités, mais comment? C'est Allah qui guide. هو الهادي هو الله سبحانه وتعالى. كيف تتعجب انه هذا يعني عندهم صفات؟ شوف كيف حنوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأعطوا العنب. ويعني الشيبة بمعركة بدر كان لا يريد القتال، لكن أبو لهب هو أبو جهل هو اللي عمل المعركة. أو عتبة il voulait pas la guerre, il voulait pas la guerre, il voulait, mais أبو لهب أبو جهل il a fait pousser quelqu'un qui demande son la vengeance de son frère ou Amra ou kaza, il a allumé la guerre. Et puis après Abu Jahl est mort, Utba ou Shayba, vingtaine de parmi les dignitaires de Quraysh sont morts. نحو 20 من رؤساء قريش ماتوا ألقوا في بئر هناك. وجعل النبي يقول هل لا وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال يا رسول الله تكلم أموات؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم يسمعون كما أنتم. Alors, Sayyidina Muhammad leur a dit, est-ce que vous avez trouvé ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme menace envers vous comme une vérité, réalité? Nous, on a trouvé ce que Allah a promis comme vérité. Certains compagnons ont dit au messager de Dieu, mais est-ce que ces gens-là qui sont morts, ils t'entendent? Il a dit, mais ils entendent plus que vous. ويقال إنه لم يقتل بها بل رجع فمات. En parlant de العاص بن شيبة كإلي مور par la suite. قال رحمه الله يعني الإمام الطحاوي وإنه خاتم الأنبياء. هذا الكتاب العقيدة الطحاوية من 1100 سنة مجمع عليه. Le livre العقيدة الطحاوية ça date depuis 11 siècles. 1100 années, même 1130 ans à peu près. Même 1130 ans. Et c'est un imam connu comme imam digne par l'unanimité des savants de l'islam. Il a le respect de toute la communauté, l'imam Tahawi. Et son livre a été accepté par toute la communauté musulmane depuis 11 siècles. حتى الوهابيين قل لك هذا الكتاب مجمع عليه. حتى الوهابيين وفيه فضح لهم. Et dans l'aqida Tahawiya, il y a des choses qui dévoilent l'wahhabiyya parce qu'ils attribuent à Dieu la place. Et Tahawiya, il dit Allah n'est pas entouré par les six directions. Eux, ils attribuent à Dieu le corps, les membres et les organes. Et lui, il a dit, Allah n'a pas de membres, n'a pas de quantité, n'a pas de volume, n'a pas d'extrémité. Et il a dit, il est le dernier messager, le sceau des prophètes, le dernier messager. Il n'y a pas un prophète après lui, alayhi salatu wassalam, comme a dit Ta'ala, « Walakin Rasulallahi wa khatam al-nabiyyin » Il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Allah. Man khalafi hadha, qui a contredit à ce sujet, firqa min al-kuffar, tadda'i l'islam, wa hum ish al-ahmadiyya. Tba'a wahad min al-Pakistan, ism Ghulam Ahmad al-Qadiani, tadda'a al-nubuwa, wa huwa kafirun mal'oun. Alors, qui a contredit à ce sujet-là? Il dit une secte qui s'appelait l'Ahmadiyya en Pakistan. Il prétend que Ghulam Ahmad c'est un prophète et ce n'est qu'un menteur. Ce n'est qu'un menteur. كافر بالله العظيم الله سبحانه وتعالى قال غير أن وخاتم النبيين والرسول قال غير أنه لا نبي بعدي إلى دين يبان بخفيت أبخي موا وقال وختم بي النبيون وختم بي النبيون par moi la prophétie est clôturée وحديث كثيرة وإجماع قرآن وحديث وإجماع il y a le Coran il y a le hadith plusieurs hadiths et il y a l'unanimité ومع هذا الزنديق الكافر ce grand mécréant il a prétendu la prophétie صار يقول للناس الله أوحى إلي ما تحاربوا الإنجليز الإنجليز جاي يعلموكم الحضارة il a dit Allah m'a révélé qu'il ne faut pas combattre les Anglais sont venus pour nous donner la civilisation l'Anglais استعملوا les Anglais ils l'ont acheté et ils l'ont utilisé Et à Londres, ils ont une grande, parce que
Oui, mais c'est eux qui sont derrière. À Londres, ils ont un grand siège à l'Ahmadiyya. À Zurich, ils ont quelque chose. Mais ce n'est pas des musulmans. C'est lui qui dit il y a un prophète après Mohammed. Il n'est pas musulman. Même s'il dit on a une mosquée, on fait 5 prières. Mais tu as contredit le Coran. Takdhib al Coran est kufr. Le fait de rejeter une loi dans le Coran, une ayah. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض vous croyez en certains et vous me croyez en d'autres tu peux pas alors si la personne il contredit une ayah il sort de l'islam tu si tu dis par exemple oui Allah Ta'ala a rendu telle chose haram et toi tu dis c'est halal ou l'inverse tu peux pas tu ne peux pas dire quelque chose que Allah a rendu haram c'est halal ou c'est ce qui est halal tu rends haram on ne peut pas faire ça. Ça contredire le Coran et la Sunna et la Mégrance, comme il a dit l'imam Tahawi, raddun nusus kufr. Il a dit l'imam Tahawi, rejeter les textes et de la Mécréance. طيب فإذا خاتم النبيين وقوله عليه الصلاة والسلام وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. Dans le hadith rapporté par le Bukhari, أنا العاقب, celui qui n'a pas un prophète, il n'y a pas un prophète après lui. والقادياني هؤلاء الذين اتبعوا غلام أحمد القادياني من الهند يعني هذه المنطقة البنجاب أو إقليم بنجاب سواء يمكن اسم مع الهند واسم مع الباكستان لكن بهذاك الزمان كانت كل ما كان كل بلاد الهند وكان القوة للمسلمين à l'époque les musulmans étaient dominés la plupart de l'Inde والإنجليز ils ont rentré avec leur société tout ça ils ont aidé ceux qui adorent les vaches contre les musulmans. L'Église, les Anglais, ils planifient pour un siècle, deux siècles contre vous. C'est des gens... Chez eux, ils laissent la femme policière avec le foulard. Hein? Une femme musulmane policière avec le foulard. Ils ont une certaine tolérance, mais la méchanceté qu'ils ont, il y a la tif tultuf. من جبلنا الصهاينة على فلسطين qui nous a amené les sionistes en Palestine qui a vendu quelque chose qui n'est pas à lui c'est eux وعد بلفور ودعا هذا القادياني قال خاتم النبيين أي زينة النبيين il a dit le hadith خاتم النبيين c'est l'embellissement des prophètes mais c'est pas ça ça c'est une falsification زينة النبيين c'est quoi ça Sayyidina Muhammad est le dernier messager, c'est ça qui est voulu par l'aïe. C'est ce que les Arabes ont compris, ce que les compagnons ont compris. Mais celui-là, il a falsifié. Mais il y a le hadith, et il y a l'unanimité. Fil hadith, fil ijma. Marra qal hadhi nubuwa tajdidiyya, marra qal nubuwa dhilliyya. Une fois il a dit, c'est une prophétie de renouvellement. Une fois il a dit, sous l'ombre de... Tous deux, c'est de la mécréance. Le fait de dire ça, c'est de la mécréance. Lorsque les musulmans, ils voulaient le tuer, il s'est réfugié aux Anglais. Les Anglais, ils l'ont protégé. Muslimin aradu qatlahu, alors lui, il s'est réfugié chez les Anglais. Faqalu tayyib idhan, alors tu vas dire aux gens qu'il faut pas combattre les Anglais, qu'il faut que tu en kan fi jihad dans l'Église. Il y avait des gens qui luttent contre les Anglais, ils ont dit toi tu vas dire qu'Allah a rendu haram, il faut pas faire ça. فقال يجب علينا ان نشكر الدوله البريطانيه لانهم احسنوا الينا بانواع الامتنان. Il a dit on doit remercier l'Angleterre parce qu'ils ont fait beaucoup de bien. وهل قال وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. Il a dit ils ont bien fait avec nous, on doit agir par le bien. Et il a dit, وحرام علينا وعلى جميع المسلمين محاربة الإنجليز. Il a dit, c'est haram sur nous et sur tous les musulmans de lutter contre les Anglais. Alors, il a rempli les conditions qu'ils l'ont mis. Ils ont dit, on te protège, mais tu dois faire ça. Il a fait. ومن جملة التمويهات يقولون معنى لا نبي بعدي أي لا نبي آخر في حياتي. Ils ont dit, ça veut dire il n'y a pas un prophète après moi ça veut dire ils ont dit ça veut dire il n'y a pas un prophète durant sa vie après lui durant sa vie mais non c'est pas ça ça c'est une falsification il n'y a pas un prophète après moi ni durant sa vie ni après sa mort il n'y a pas un prophète après lui
وفي حديث انقطعت الرسالة والنبوة ولا نبي بعدي. ها سيدنا محمد قال لا بروفيسي لا le message est achevé, il n'y a pas un prophète après moi et il n'y a pas de messager, il y a les bonnes nouvelles. C'est quoi les bonnes nouvelles? Les rêves. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.